Ce qui est très beau dans ce tableau, c'est de voir le travail de la lumière. Regardez la manière dont la mer est éclairée, dont le soleil se reflète sur cette eau qui est parfaitement calme, mais le travail de perspective atmosphérique aussi, parce que ces collines au loin semblent disparaître. On a l'impression que la lumière et la couleur se diluent à mesure que l'on s'éloigne dans le tableau, alors que le premier plan est très contrasté. Vous avez des couleurs qui sont beaucoup plus fortes et beaucoup plus sombres. Et ça, c'est un travail intéressant qu'elle étudiait beaucoup, parce que quand elle était dehors, Louise-Joséphine Sarrazin de Belmont prenait des petits cartons et réalisait des petites huiles directement à l'extérieur ou des aquarelles, ce qui lui permettait de capter la lumière dehors, comme le feront les impressionnistes bien après.